Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais faire avec vous un album photo spécial pour la fête des pères. Donc alors là le problème c'est que j'avais pris ce bloc-là pour la fête des pères, sauf que entre-temps ils l'ont arrêté. Donc il ne m'en reste que deux. Je vais vous dire ça. Voilà, donc il ne me restera que deux blocs comme ça. Donc je ne pourrai faire que deux kits avec ce bloc-là. Voilà. Alors, je suis désolée, mais ils préviennent pas quand ils arrêtent. Et du coup, moi celui-là, si vous vous souvenez bien, je l'ai pris il n'y a pas très longtemps. Et franchement, j'avais aucune idée qu'ils allaient l'arrêter. Et j'ai adoré. Désolée. Il y a du bruit parce que c'est le confinement. Donc voilà, donc j'avais pris celui-là moi pour la fête des pères parce que j'avais craqué dessus. Je le trouve trop trop beau. Voilà. Mais du coup, voilà. Heureusement, moi j'en avais pris, j'en ai deux d'avance que j'avais pris. Parce que des fois j'aime bien prendre un peu. Voilà. Et du coup, j'en ai deux. Donc je ne pourrais faire que deux kits avec ce bloc-là. Voilà. Désolée, mais. Voilà. Ensuite, dans le kit, après, vraiment, je vous le résumerai après. Moi, je vous montre ce que j'ai sorti pour le kit et on verra en fonction de ce que je me servirai. J'ai sorti ce tampon-là qui est superbe. J'adore. Vraiment, j'adore. Et j'ai prévu de me servir aussi de ce tampon-là. Voilà. Et de celle-là. Alors, je m'en suis servie et il colle pas. Enfin, voilà. Donc, en fait, ces trois tampons, le bloc, bien entendu, si vous voulez les tampons, je peux vous les commander, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vraiment que ce bloc-là de carterie qu'il n'y a plus. Et comme c'est inconnu et que c'est en rouge, à mon avis, ils les feront plus. Bien entendu, si d'ici là ils ressortent, je vous le dirai. Mais voilà, les tampons, ils sont dispo, il n'y a pas de souci. Hein. Après, j'ai sorti aussi ma poudre vintage. Donc, j'ai sorti la vintage blue, la vintage red et la vintage green. Voilà, j'ai sorti ces trois. Je ne sais pas lesquelles je vais me servir. Donc, ça. Il y aura aussi. Bon, ça pareil, je pourrais vous en servir. Du papier craft, voilà. Pour ce qui est du papier noir qu'on va se servir, donc moi je vais faire avec le trophée 160 grammes. J'essaie juste hop, de vous attraper une feuille. Voilà. Trophée 160 grammes. Si vous voulez, on peut rajouter du craft noir. Par contre, c'est du 300 grammes. Voilà. Donc ça. Voilà. Ensuite, moi, je vais me servir de la Memento de luxe. Donc voilà. Donc ça, en fait, c'est une encre comme l'Archival. C'est une encre exprès pour le mix média. Moi, je l'adore. Donc, ce sera la marron. Riche cacao, tout simplement. Elle s'appelle comme l'autre. Donc ça, elle est en noir aussi. Voilà. Ça. Bon, j'ai sorti ma Versamark au cas où je voudrais en bosser. Et puis voilà, bien entendu, il nous faudra des aimants. Donc voilà, les aimants. Alors, les aimants, moi, c'est j'en ai. Donc, mais ce sera, si vous le voulez, par 8. Je crois que c'est par 8, ouais. Et voilà, on peut vous les fournir aussi. Moi, je n'achète pas puisque j'en ai plein, donc c'est bête d'en acheter. Tout simplement. Donc bon, on y va. Alors, moi j'ai déjà prévu. Alors on va essayer de faire un genre d'album qui s'ouvre un peu comme ça. Voilà. Sauf qu'en fait, quand on va ouvrir, là en fait ça va retomber. Les pages seront ici. Ce sera pas insoufflé, mais bon, ça fera un peu le même style. J'espère que ça va tenir. Une fois que j'avais essayé de le faire, mais bon, c'était avec des pages assez lourdes, du coup, ça n'avait pas tenu.
Donc, je croise les doigts pour que ça marche, puisque là, je ne pense pas faire des grosses pages. Donc, voilà. Du coup, je suis venue couper à 17 cm dans la longueur de 9,5. Voilà. Ensuite, on va venir faire un pli dans la longueur de 17 et de 17 à 15,5. Tout simplement. 15,5. Ensuite, on va retourner la feuille et on va venir faire un pli à 1 cm et à 1,5 cm. Donc, 15,5, 1,5. On va refaire la même reliure, puisque c'est pour les débutants. On va refaire la même reliure qu'on a fait sur l'album Fête des Mères, comme ça au moins ce sera facile pour vous. Ensuite, on va venir couper ici, à ce niveau-là, ici, là. Voilà. En fait, ça c'est pour rattacher la feuille et on va venir couper ici. Donc on coupe dans le côté qui fait 14 cm. Donc, je me cale bien. Et on vient couper tout simplement. Donc voilà ce que ça donne en fait. Là, ce sera pour la reliure. Là, c'est la page qui fait 15 et demi sur 15 et demi. Et là, ce sera le rabat. Du coup, ben, on vient marquer les plis tout simplement. Là. Et là, je marque que le pli de 1 cm. Puisqu'en fait, là, c'est juste pour avoir un peu d'espace entre là où est collée la page et pour qu'il y ait un peu plus de souplesse, tout simplement. Donc, voilà. Donc, on obtient ceci. Alors, le rabat, ou on le met devant, ou on le met derrière, en fait. Mais du coup, les pages, on va les travailler, reliure en bas pour une fois. Voilà, on va les travailler dans ce sens-là. Et en faisant attention que quand on va retourner la page, du coup, ben là, ce soit à l'endroit. Ouais, c'est pas gagné. On va y arriver. Ensuite, bon, là, je pense que je ferai comme la fête des mères, c'est-à-dire que je ferai une page avec vous. Et après, à moins que je fasse d'autres pages différentes, si c'est les mêmes pages, ben, je ferai hors caméra. Puisqu'après, en fait, il faut juste faire décorer, coller des papiers. Voilà, donc je pense pas que. Voilà, chacun peut le faire. Sinon, ça va faire super long. Donc voilà, ça. Ensuite, on va choisir une page. Donc c'est très très dur de choisir hein, parce qu'il est vraiment très très beau. Ce bloc, moi c'est une tuerie. J'ai bien les boules qu'il a arrêtées d'ailleurs. J'avais 50 projets avec. Donc voilà. Avant de commencer votre projet, pensez bien à garder au moins 2 cartes, donc 2 pages pour les couvertures. Vos préférés, ce que vous voyez en couverture. Moi bien sûr j'ai choisi cela. Voilà, ça ce sera couverture avant, arrière. Donc ça, et là j'ai pris celle-là. Là, du coup là, je vais venir, puisque ça fait 13 sur 13, je vais venir prendre une chute de papier. Je vais le couper de 13,5 sur 14. Je vérifie. 13,5 sur 15, voilà. 13,5 sur 15. Je suis venue faire un pli à 1,5 ici. Pareil, le double face, le rouge, le bleu, il n'est pas dans le kit. Si vous en avez besoin, demandez-moi-le, il n'y a pas de souci. On peut vous les commander 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm. Et il y en a un autre, mais je ne sais plus comment il fait. Bon,
Je vous le dis, moi je ne les mets pas dans le kit parce que, ben voilà, hein, je ne vais pas. Je pense que vous en avez, mais si vous en avez besoin, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et en fait, ici, là, je vais venir faire un rabat. Ici. Hop, pardon. Voilà. En fait, ça, ce sera le rabat qui maintiendra la page et l'autre rabat. On va venir aimanter ici avec un aimant. Et du coup, voilà, tout simplement. Et après, on viendra le travailler avec du papier craft et des tamponnages. Alors, avec la memento et avec des tamponnages un peu embossés, sûrement. Je ne sais pas, on verra. Mais bon, là, on va faire le travail de base. Donc, je prends mon double face. Donc là, c'est le gros. On en a aussi du gros transparent. Si vous en avez besoin. Hop. Quoi que j'en avais là du transparent aussi. Je l'ai remonté. Donc. Donc voilà, je vais prendre la memento, une mousse, bien entendu, ça aussi, nous en avons des mousses, on a le tampon et les mousses, et je vais venir, bien entendu, ancrer les bords. On pourrait très bien, et d'ailleurs, peut-être je ferai un mélange, ancrer en noir. Puisqu'on travaille sur du craft et du noir. Donc vraiment, là, c'est au choix. Et même, ouais, je ne sais pas si je vais pas le faire avec la noire aussi. Je pourrais faire les deux. Ça serait très joli, les deux. Bon, on va laisser comme ça pour le moment. Donc, je prends ma page. Je vais venir coller mon rabat. Hop. Donc je viens me caler. Alors là, il n'y a pas vraiment de. C'est comme on a envie. Moi, je vais faire du pif. Voilà. Tout simplement. Et là, hop, hop. Je vais venir mettre mon aimant avant d'oublier. Il me semble que j'en avais par là. Donc, je prends deux aimants. Je viens prendre du double face. Ah oui, bien sûr, il faudra de la mousse 3D. Bien entendu. Donc, on va mettre un aimant. Donc, voilà. Hein, je retourne mon double face et je laisse tomber l'aimant sur l'aimant de dessous. Et là, ben, j'ai plus qu'à coller. Voilà, tout simplement. Donc là, la structure de la page, tout simplement, elle est prête. Je vais sûrement mettre une pochette ici quand même. Mais après, là, la base de la base est prête. Ici, on va venir coller. Non, je vais d'abord faire les tamponnages et tout. Je le ferai en dernier. Parce qu'avec la mousse, du coup, je ne pourrais pas bien appuyer derrière et tout. Donc, là, moi, j'ai coupé du craft de 13 cm sur 13 cm, puisque mon rabat fait 13,5 sur 13,5. Et là, on va venir voir ben, comment on va tamponner comme ça. Alors, moi, je vais prendre ma planche, d'accord, et on va voir qu'est-ce qu'on va travailler. Je pense que ça, ce serait pas mal.
Ouais. Allez. Je vais faire la voiture en premier, celle-là. Je vais pas y arriver. Quoique, non. Non, en fait, parce que là, je regarde en fait la photo. Je vais prendre l'autre côté. Donc, celui-là. Et donc, du coup, là, je vais voir ce que je vais faire. Là, je pense qu'on va faire des angles, forcément. J'aime vraiment beaucoup ces tampons. Je m'en sers beaucoup. Et je les trouve juste trop, 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 trop beaux. Alors, on les met comme ça. Ah, ouais, on va faire comme ça. Donc, après, c'est vraiment comme vous voulez, vous. Je vous montre. On a aussi une presse à tampons, si ça vous intéresse. Hein, je vous le dis. Et donc là, ben, je vais le faire à la memento. Simplement. Donc là, je prends la chocolat. Enfin, le marron. Hop. Et on vient tamponner. Tout simplement. Donc voilà. Là, ça, c'est prêt. Hop. On pourrait très bien l'embrousser, mais non. Moi, je vais pas le faire, mais voilà ce que ça donne. Du coup, moi, je vais venir le coller comme ça. Donc là, j'attends juste un peu. Quoi qu'on pourrait l'embrousser, ça ferait joli aussi. Non, je vais le laisser comme ça. Là, on va venir travailler pareil, donc, ce côté-là. Donc là, je vais couper à 13,5 sur 15. 13,5 sur 15. Mes chutes là font du 15 sur 12,5. Dommage, ça aurait été bien. Non, on va en prendre un autre, c'est pas grave. Donc, oui. Et demi, donc je vais en couper deux à 13,5 puisqu'il y aura le derrière aussi sur 15. Donc là, je vais faire les deux en même temps. Ça, je le garde pour faire les, on garde toujours les chutes. Et pareil, on va venir les tamponner. Alors. Hop. Pareil. J'ai bien envie de prendre cela. Donc alors là, j'ai juste collé le papier en fait. Donc là, hop. Voilà, le papier craft. Là, c'est tamponné. Alors là, c'est avec le memento marron. Et là, c'est avec l'archival noir. Je vais le faire plutôt avec le noir. Ça rappellera les couleurs de l'album plutôt. Donc, voilà. Ici, ils sont magnifiques, ces tampons. Et là, tout simplement, je vais venir mettre celui-là. Donc là, je l'ai embossé à chaud. Ben là, ça n'a pas marché la caméra, mais je le referai. On le refera ensemble, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça s'est embossé à chaud. Tamponné avec la Versamark et embossé à chaud. Et là, j'ai utilisé la Vintage Red. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Donc, là. Alors, attendez, hop, voilà, c'est comme ça, pas se tromper de sens. Je vais venir la coller directement.
Bien entendu, si on veut, on peut faire une petite pochette en bas. Moi, je le ferai sur les autres. Sur les autres. Donc. Donc, je me cale au bord. Je fais attention que ça ferme bien. Donc là, par contre, j'évite de trop appuyer hein, sur l'embossage. Hop, vous voyez, je passe autour. Donc là. Donc voilà ce que ça donne. Donc là. Et là. Maintenant, on va venir travailler de ce côté-là. La carterie, mais avant je vais venir travailler de l'autre côté pour être le plus à plat possible. Donc on va la regarder dans ce sens. Donc pour travailler l'autre côté, je vais tout simplement la mettre de ce côté là et on va venir voir ce qu'on fait. Alors moi j'ai préparé des rabats, donc j'en avais deux. Voilà. Non, je l'ai perdu. Non, mais ça, il y a des jours comme ça. Ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, celui-là, il va bien. Et je l'ai mis où l'autre? Non, ben non, je ne l'ai plus. Bon, ben on va me faire un autre, tant pis. Je ne sais pas où il est passé. Je l'avais préparé pour gagner du temps, justement. Bon. Mais écoutez, on va en couper un autre. Donc, je vais couper à 15. Je vais couper à 12,5. Ça, c'est des chutes d'autres projets que j'avais. À 12,5. Et là, ça fait combien? Est-ce que ça me fait le 15,5? Ouais, parfait. Donc, j'ai coupé là à 12,5. De dos. Là, je vais venir couper donc, je vérifie que ça fasse 15,5. Donc là, je coupe ici. Donc voilà. Alors, nous avons 12,5 de haut, de large. Et là, ça fait 15,5. En fait, c'est la taille des 21 sur 14. Donc 15,5, 14. Donc là, on plie. Et là, on aura un rabat, en fait. Puisque là, j'ai un pli à 1,5. Voilà. En fait, ça nous fera le rabat, tout simplement. Donc, on va regarder si ça passe. Ouais, ça me va bien. Donc, moi, je vais rentrer le rabat dedans, mais après, ça c'est comme vous voulez. Je vais venir mettre mon double face. Je
sur Mirabin. On va venir couper un tendier légèrement. Voilà. Et donc on va venir se caler au bord de la page. Donc je vais venir coller. Alors là c'est mon double rabat. Voilà. Je vais venir coller le deuxième rabat en bas. Bon, alors ça après vous les mettez comme vous voulez les rabats. C'est vraiment comme on veut. Donc je me colle bien au bord. Bien sûr celui-là il est un peu tordu. Donc je le remets et je rappuie. Donc voilà. Donc là on va obtenir un boulet, un rabat, un autre rabat. Et là on pourra travailler. Donc bah, pareil, je vais venir mettre travailler avec ma photo. Donc je vais prendre celle-là. Donc celle-là et pareil je vais d'abord commencer à coller le fond et après on va venir travailler coller les papiers et travailler les carteries en dernier par dessus. Donc je prends mon encre, mon petit tampon, je viens créer les bords. Non, moi je prends la noire, hein, mais bon, ça c'est une affaire de goût après. Donc, voilà. Et je vais venir coller. Alors, je me cale. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Donc voilà ce que ça donne. Là, là, là. On pourrait en rajouter d'autres rabats si on a envie. Moi, j'ai dit que je faisais assez simple. Donc du coup, voilà. Là, par contre, on va venir mettre des aimants. Donc, vous voyez, je me base sur celui qu'il y a derrière, qu'on a mis hier. Donc, je le scotche. Je vais mettre mon bout de double face ici. Je viens le coller. Et du coup, je vais venir en mettre un ici. Donc, je laisse tomber. Et je n'ai plus qu'à refermer. Voilà. Et là, nous avons nos aimants. Donc voilà. Et je viens recouvrir de papier. Alors je coupe tout le papier, puis on se retrouve de suite. Je vais mettre du craft et là je vais décorer là, juste là.
Donc voilà, là, en fait, j'ai juste collé les papiers que j'ai tamponnés hors caméra. Donc vous voyez, je fais un mélange de tampons. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Donc voilà. Et donc là, du coup, je vais venir embosser les tampons. Donc, on va le faire ensemble. Donc, je mets mon aimant au milieu, bien sûr. Je vais venir mettre mon tampon avec le train, parce que j'ai envie, tout simplement. Ensuite, je vais prendre mon tampon Viva. Et je vais venir le mettre en travers, le pari. Après, c'est vraiment comme on a envie. Je vais mettre bien celui-là aussi. Voilà. Là, ça me va. Donc, du coup, je referme. Je vais venir prendre ma Versamarque. Je vais venir en mettre partout sur les tampons. Je viens appuyer. Je vais juste en remettre là. J'ai l'impression que là, il n'y en a pas eu assez à cet angle-là. Et c'est ça qui vient, ce qu'on peut venir repasser. Donc voilà. Et là, je vais prendre ma feuille, ma poudre à embosser. Donc c'est la Vintage Red. Et je viens tapoter. Voilà. Alors là, avec un petit pinceau, on peut venir enlever là, la poudre qu'il y a. Moi, je vais la laisser. Hop, ça, je referme. Et là, je vais prendre ma gaine. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, ben, j'ai plus qu'à venir mettre mon double face. Et là, on vient ancrer. Alors, pareil, hein, moi, je fais avec la noire, mais vous pouvez le faire avec de la marron, si vous avez envie. Là, moi, je viens descendre un petit peu, vous voyez. Bien faire un effet vieilli. J'aime beaucoup, beaucoup faire des albums photos, comme ça.
et essentiellement travailler avec différents tampons comme ça. Donc, voilà. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir coller mon papier. Donc là, je vérifie que ça passerait. Donc, je colle la première partie. Je fais bien attention au pli, hein, de pas déborder, vous voyez. Donc et là, alors là, je vais venir bien appuyer autour de l'embossage surtout. Et voilà, tout simplement. Donc, la page est prête. Donc voilà. Et il nous suffit juste de venir travailler la carterie dessus. Donc du coup, je reprends la première carterie. Donc c'était celle-là. Ça, je le garde. Et on va venir la travailler. Alors comme d'habitude, là c'est pareil, je vais en faire qu'une avec vous. Après c'est vraiment comme on le sent. Je l'ai déjà fait avec vous plusieurs fois. Donc c'est vraiment comme on le sent. Après chaque personne va les mettre à sa façon. Donc voilà, hop. Donc ça, bien entendu, ça je le jette, ça je le garde, ça servira pour des embellissements autres. Donc voilà, et après ben, on va voir ce qu'on fait. Alors moi j'aime beaucoup mettre les choses en travers, mais bon. Je la mets très bien ici. Sa poubelle. Après, c'est vraiment comme on le sent. Donc je vais commencer par mettre de la mousse. Donc c'est du 1 mm moi. Ne mettez pas trop d'épaisseur non plus. Sinon ça risque de bloquer, de faire trop épais. Puisque ça reste quand même un album photo à la base. Donc, je vais pas y arriver. Bien sûr, je vais venir ancrer le bord. Là, pareil, je vais venir mettre de la mousse tout le long. Ancrer.
et venir le mettre ici. Je vais mettre la tâche par là. On verra bien ce que ça donne après. Hop. Là, je vais venir coller, mais en travers. C'est vraiment, vraiment comme on a envie. Ici, on va venir coller. Ah, c'est que j'ai mis ma colle. Je l'avais tout à l'heure, là, ici. Donc là, je viens coller le stylo plume. Excusez-moi. Donc ici. Mon petit pot à encre, je vais venir y mettre un petit bout de mousse, petit, est-ce qu'il va rentrer, voilà. Vous voyez, il y a des petits carrés hein, de mousse aussi, donc ici. Pareil, la petite montre. On va mettre un petit bout ici. Et après, je vais venir mettre de la colle tout simplement pour finir. Et j'ai dit que je venais la placer ici. Mais après, toujours pareil, c'est vraiment où vous avez envie, vous. Ensuite, je vais mettre les petits trucs comme ça. Alors là, pareil, je vais couper deux petits bandes très fines. Très fines. Et je vais venir les coller. Bien sûr, ça se colle au ciseau. Mais bon, ça c'est qu'un détail, c'est pas grave. Hop. Ici. Ça, je vais le ancrer. Et j'ai bien envie de le mettre là. Donc pareil, un petit carré de mousse que j'ai fait trop grand. Voilà. Et là, ça je l'ai pas mis, mais j'aurais pu le mettre. Je vais couper et je vais juste le coller comme ça en essayant de le passer dessous. Donc, est-ce que par hasard on va le couler par là? Donc voilà, ma première carte est faite. Du coup, je vais faire l'autre carte de l'autre côté. C'est exactement pareil. Je vais continuer du coup mon album. Je ne vous reprendrai en tuto que si je fais d'autres pages. Mais si je fais les mêmes pages, du coup, ben, on se retrouvera que pour la structure. Donc voilà.
ma première page. Donc, pas de la carte. Hein? Et du coup, ben, là, il y aura la carte aussi. Et après, voilà. Voilà le principe de mes pages album. Ben, écoutez, j'espère que cette première partie vous a plu. Bien sûr, je suis à votre disposition pour toute information ou question. Voilà. Ben, écoutez, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis ben, à très bientôt pour la partie 2. Bye bye.